Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir Zeraora avec la Power Save. Donc sachez que Zeraora, on ne peut pas l'avoir légalement, donc soit avec soit en hackant votre console, soit avec la Power Save comme je vous montrerai. Mais vous ne pouvez pas l'avoir légalement. On peut l'avoir en trichant parce qu'il est dans les codes du jeu, mais pour l'instant il n'a pas été distribué. Donc toutes les vidéos que vous verrez sont toutes fake. Forcément, et ce sera toujours des fausses techniques, ou simplement ça sera toujours des hacks ou je ne sais quoi. Voilà, donc méfiez-vous. Bon, le 1er avril, voilà, ça passe parce que bon, voilà, c'est normal, c'est des blagues, mais les autres jours, c'est les gens, il faut juste ça pour faire des vues, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège. Après, moi, je vais vous expliquer comment l'avoir, même non legit, parce que personnellement, moi, je l'ai eu, et ça complète toujours le Pokédex, puisque c'est le 403e Pokémon du Pokédex, donc voilà. C'est très simple, vous allez donc sur votre Power Save, donc dans les codes, vous êtes dans Wondercard Code, vous allez donc dans ce dossier là, donc en gros c'est vraiment le tout dernier dossier. Vous pouvez avoir vraiment tous les trucs, hein, comme Pikachu de Sacha, toutes les formes de Pikachu avec la casquette, Sylveon Shiny, Tokoriko Shiny, Marshadow, Pyrotechnique. Donc pour ceux qui ont Ultra Soleil, ce sera Amahama. Je sais plus c'est quoi son nom en anglais. Parce que là, du coup, la pyrotechnique, c'est Blacéphalon en anglais. Et donc là, vous avez aussi tous les trucs de distribution qui seront distribués au fil de l'année. Mais sachez que, je vous rappelle encore une fois, ce n'est pas legit. Après, vous suffit juste de cliquer sur Zeraora, vous faites appliquer. Et vous le recevrez en tant que cadeau mystère. Il faudra juste aller le récupérer auprès de quelqu'un au sein de Pokémon. Voilà. Et si vous allez donc du coup voir dans votre album de cadeau mystère de réception, vous verrez donc cette chose là, donc ça je l'ai pris sur une vidéo, donc c'est normal que ce soit une nouvelle qualité. Donc vous pouvez voir, bon, je l'ai appelé cheat cadeau mystère, mais bon, voilà quoi, c'est pas vraiment un cheat, c'est triché, mais voilà quoi. Donc comme vous pouvez voir, c'est fake parce que c'est écrit 2016 et le jeu n'était pas sorti en 2016, il est sorti en 2017. Donc ça c'est quand même pour vous montrer que ce n'est pas legit. Au moins vous voyez que s'il y a quelqu'un qui montre ça, ça veut dire que c'est pas legit. Et même genre c'est pas écrit Zeraora. C'est un peu différent des vraies réceptions que vous pouvez avoir légalement. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle encore une dernière fois. Zeraora n'est pas legit. Voilà. Et donc toutes les vidéos que vous verrez sont forcément fake. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Plus de 25 abonnés, on atteint les 200. Donc écoutez, voilà, ce serait vraiment cool. Je peux vous dire qu'il y a une vidéo toutes les deux semaines. Je peux également vous dire que Sigma est en train de travailler sur une vidéo. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais elle travaille sur une vidéo. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Sur ce, c'était ExactTF. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tout le monde. Bye bye.